Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans ce samedi soir au lac des Vieilles Forges, vous allez assister à un événement tout à fait exceptionnel. C'est la première fois qu'on accueille un combat en cage et vous allez vivre les premiers instants de la tête d'affiche avec ici Sofiane Assaoui qui est revinois, qui va affronter un Ukrainien pour ce premier gala au lac des Vieilles Forges au centre des congrès. C'est une petite exclusivité qu'on vous propose, tout d'abord de vivre les coulisses et la préparation mentale de Sofiane qui n'est pas à son premier combat. Alors comment ça se passe? Eh bien regardez, dans le fond vous allez apercevoir une cage, c'est un octogone. Vous voyez de temps en temps à la télé, sur la chaîne L'Équipe, ce type de combat. C'est du free fight qui allie à la fois de la boxe thaï, de la boxe traditionnelle et puis également de la lutte au sol. Les coups sont pratiquement permis pour beaucoup de frappes, mais il y a quand même des règles strictes parce que vous allez voir, c'est assez spectaculaire comme sport. C'est né au Brésil, c'est autorisé seulement récemment en France. C'est autorisé officiellement depuis 2020. Et là, vous allez voir que les coups, c'est tout à fait impressionnant. Catégorie moins de 84 kilos. Sofiane Assaoui, oui, et revinois, et donc Ardennais, c'est lui l'organisateur de cette première soirée. C'est historique dans les Ardennes. On ne pouvait pas manquer de montrer cet événement sportif. Alors, attention, hein. On est dans une cage, il y a un arbitre, un octogone. Une fois qu'on a refermé la porte, ça ne s'arrête plus. Et les combattants vont s'affronter avec des coups portés tout à fait impressionnants, hein, c'est le mot-clé pour ce sport. Regardez, c'est la première fois peut-être que vous allez découvrir cette formule. On est dans le centre des congrès des Vieilles Forges, une très très belle salle qui est quasi comble avec 1100 personnes ici qui sont venues assister à cette finale. Il y a eu plusieurs combats amateurs tout au long de l'après-midi depuis 18h. Et donc c'est le point d'orgue de cette soirée. L'Ukrainien est à droite. Vous entendez ? Maxime Soroka, l'Ukrainien, avec des victoires par KO. Et là, je laisse le speaker vous présenter Sofiane, notre Ardennais. Voilà donc les deux têtes d'affiche de ce premier gala dans les Ardennes. Je vous laisse apprécier le spectacle pendant quelques secondes. On referme la cage sous vos yeux. Vous voyez, c'est un octogone. Alors pourquoi il y a une cage comme ça? C'est pour éviter, évidemment. Vous allez voir, des fois, c'est assez violent quand ils se projettent. Et c'est pour éviter que les combattants arrivent dans le public. Hein. Vous allez voir, c'est saisissant. C'est peut-être la première fois que vous allez assister à ce type de combat. En tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à partager. C'est le premier gala dans les Ardennes. Dans quelques instants, l'arbitre va donner le coup d'envoi. Il y a 3 rounds de 5 minutes. 3 rounds de 5 minutes. Allez, je vous laisse apprécier les premières minutes sous vos yeux, derrière, dans cette cage. On ne porte pas de casque, des gants ultra légers. Donc on peut donner des coups avec les pieds, évidemment les mains. Et il peut y avoir une lutte au sol. Ça peut se passer à un moment donné. Des heures et des heures d'entraînement. Et une ultra concentration, évidemment.
Ça s'appelle donc du free fight, combat en cage. C'est en pleine effervescence en ce moment. Donc là, ce sont des professionnels. Et on a un Ardennais qui est professionnel, catégorie moins de 84 kilos. À gauche, Sofiane Assaoui. À droite, ukrainien, Sofiane, pardon, Maxime Soroka. Trois rounds de 5 minutes. On fait pas semblant, hein. On fait pas semblant d'envoyer les coups. Oui, oui, oui. Oui, nickel, saut. Nickel. Prends ton temps, saut. Je suis sur le haut. Là, tu l'as pas. Bon, saut, c'est ça. Gauche, droite, gauche. On n'est pas en anglais, saut. Quand tu continues à feinter, s'il descend au genou. Là, il va plonger. Il n'aura aucun choix. Oblige-le à descendre. Il descend genou, saut. Il va descendre. Il n'a pas d'autre choix. Genou, il percute. Là, il... Oui, c'est ça. Saut. Alors, évidemment, on s'observe. Voilà. Vous voyez, là, on peut se retrouver au sol. Il l'a laissé se relever. Mais il est possible que ça se transforme dans une sorte de lutte gréco-romaine. Hein. Pour l'instant, c'est boxe au point. Voilà, voilà, là on est au sol. C'est ce que je voulais vous montrer dans la spécificité de ce sport de combat, c'est qu'on peut avoir une lutte au sol. Ah, c'est impressionnant, hein. Je peux vous dire que là je suis à quelques mètres à peine des combattants. Sofiane en position délicate. Voilà, il essaie de se relever. Là, c'est bien. Quand tu peux, tu lui refais pas saut. Super. Là, tu peux te relever. Tu lui mets le bras gauche. Bien, saut, super. C'est hyper intense en termes de... d'impact physique. Il faut savoir respirer au bon moment, savoir reprendre son souffle, être concentré. Ah, c'est très dur. C'est très dur pour Sofiane. Sofiane toujours au sol. Et on entend le public, évidemment, Ardennais qui le soutient. On soutient notre Ardennais Sofiane, originaire de Revin. Il a une salle de sport à Reims et c'est lui qui organise ce premier gala. Et là, c'est donc le clou de la soirée, la tête d'affiche, combat professionnel. Voilà, intervention de l'arbitre. Vous voyez que quand même, malgré tout, s'il y a une grosse liberté dans les coups, il y a quand même des règles très strictes à respecter, évidemment, pour éviter tout danger ou mise en danger des combattants. Trois rounds de 5 minutes. Faut tenir, hein. Physiquement, faut vraiment tenir. Ça demande une débauche d'énergie considérable. Fin de la première reprise. Voilà, on vous a fait vivre cette première reprise. Merci de nous avoir suivis. On est toujours donc depuis cette salle des congrès du lac des Vieilles Forges. C'est le premier gala historique ici, donc pour ce combat en cage dans cet octogone. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager et surtout commenter ce que vous avez vu. Ciao.